Tout sur la chaîne YouTube de José, allez visionner ça. Tiens, une photo avec Marcel. Abonnez-vous à la chaîne de José. Le Doric, Pef, Patou, je vous présente un ancien pilier du rugby, on l'avait déjà vu dans les vlogs. Hein. Salut. Bonsoir. Donc, Lou Montpellier, victoire 55-13 du rugby sur sa pelouse du Bat Petit Stadium Germain. Le Lou rugby. Numéro 1, Raphaël Schum. Numéro 2, Jérémy Marouac. Numéro 3, Francisco Gomez Codella. Numéro 4, international français Félix Lambert, en 5 croûtes, 7 Guylain Cretin, non 7 Sommela, 6 Cretin, 8 Gilles Layamgil et capitaine Baptiste Couillou à la mêlée à l'ouverture, Jonathan Wilniewski avec Nakaitasin, Ngataï, regard un mal butin pour les arrières. Et alors l'œil de Patrick maintenant, qu'est-ce que tu as pensé du match? Eh ben, bonsoir messieurs dames, le match, bon, à la première mi-temps, l'arbitre est un peu tatillon avec les Lyonnais, première mi-temps, jeu égal, par contre, la deuxième mi-temps, tambour battant, le Loup a lancé sa machine de guerre, et a pu marquer, combien d'essais déjà? 7 essais, et 8 en première période. 8 en tout du match. Ouais, 8 au total. Donc, avec un bonus offensif, je pense que ça efface les mauvais résultats. Les mauvais résultats contre Toulouse et puis à Castres. Bien sûr, à Castres, on n'a pas eu beaucoup de chance. Je pense qu'avec le retour des blessés comme Carfons, Julien Puricelli et Michael Ivaldi, et puis Bruni et puis tous les autres. Dommage pour Delonne pour cette saison. Je pense que cette année, ça va être meilleur que l'année dernière. Quoi, le Stade de France alors? Eh ben, pourquoi pas y rêver. Moi, je disais dans l'autobus qu'on n'avait aucune chance contre Toulon. Et en fin de compte, le missile est arrivé. Voilà, avant qu'on parte dans le bus, voilà, on avait dit qu'on allait faire l'expo. Le Loup a pu passer Toulon à la barre, hein, en plus à Mayol. Donc moi je pense que cette année, avec un peu de chance, avec tous les joueurs et les bonnes recrues qu'on a fait, et puis un Félix Lambert en pleine confiance, un Baptiste Couillou. Baptiste Couillou, super. Et puis notre première ligne aussi, rien à dire. Voilà quoi. Je pense que cette année, on peut aller très loin. Et alors, c'est qui? Mais pourquoi pas en finale au Stade de France? Bon, il y en a qui diront le contraire, mais moi, je pense qu'on peut. Et puis, ce demi-ouverture, là, qui vient de Toulon, qui était remplaçant à Toulon, jusqu'à maintenant. Jonathan Wilniewski. Je trouve que c'est un très bon joueur. Bon, alors, c'est pour... Hein? Il a le sens du jeu. Très bon au pied, joue au pied aussi. Et puis très bon joue au pied. Je pense que Jean-Marc Toussaint et Boxier, ça va en faire de leur place. Son prénom c'est quoi? Lionel Boxier. Lionel Boxier, je pense qu'il va falloir qu'il s'accroche pour pouvoir prétendre une place dans le groupe. Voilà. Les meilleurs joueurs, les flops, les tops pardon, du Loup. Et ben, les tops du Loup. La première ligne, en première mi-temps et aussi en deuxième mi-temps. Jérémy Marois, Francisco Gomez Codella et Raphaël Schum. Oui, et puis deuxième mi-temps avec Virginie Lacombe, Cabèche et... Thémaric, oui. Et puis la deuxième ligne avec Root avec ses percussions, Lambert avec ses passages de main, de bras. Et une bonne entrée de Étienne Oschuizen aussi. Et puis, oui, une très bonne entrée, oui. Avec un essai. Oui, et puis surtout à ne pas oublier ce jeune-là, Patrick Sobella, qui vient de Unax, très puissant. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi Pierre Mignoni ne ferait pas jouer troisième mi-centre, parce que j'ai trouvé qu'en troisième mi-centre, Gilles, malgré qu'il a été très bon, ce n'était pas son poste. Et puis derrière, ben, Jean-Baptiste Couillou. Jean-Baptiste Couillou. Les deux centres. Arnold encore très très fort. Thibaut Regard, Arnold à l'aile. Enfin. Ouais. Toute l'équipe a été bonne. Hein. Je pense que toute l'équipe a été bonne. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas été bon. Le Néo-Zélandais qu'on. Charles Ngataï. Oui, qu'on viendrait récupérer. Et Noah Nakaitasin aussi. Voilà, de Clermont, très fort.
Attends, t'as pas des flops pour côté Montpellier 1 par exemple? Bon, quand on parle d'Antoine Guillamont, bon, c'est vrai que c'est un très bon espoir au Loup. Mais là, j'ai l'impression qu'à Montpellier, il a pris un peu la grosse tête. Hein. Picabel. Il n'a pas de quoi pavoiser. Loup Picabel, qu'on dit qu'il est un des meilleurs troisième ligne centre au monde. Je trouve pas qu'aujourd'hui qu'il a prouvé grand chose. Ils ont été étouffés par la machine lyonnaise, surtout en seconde mi-temps. Ils ne savaient plus où ils habitaient. Et puis j'ai envie de dire, il y en a qui vont dire, les supporters montpellierains, un petit coucou à eux, mais qui vont dire qu'ils ont perdu parce qu'ils avaient trop de blessés. Mais faut pas oublier que Colou, il nous manque. Ferns, de l'Hermitage, bon, bah, c'est que la saison est finie pour lui. Michael Ivaldi, Carfons, comme j'ai dit, oui. Puricelli. Julien Puricelli, et puis Bruni, pourquoi pas. Mais voilà. Voilà, quoi. Donc, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo. Et... mais je pourrais genre envoyer un petit bonjour à mon ami Guy Rendin, qui est au Crème. J'espère qu'il verra ma vidéo. J'ai pas pu venir au match aujourd'hui parce que j'avais trop à faire. Je pense le revoir incessamment sous peu pour un des prochains matchs du Loup à Lyon. Voilà. Bon, qui c'est le pali, on se retrouve. Alors, et en espérant que le Loup continue sur sa lancée. Bon. Ah oui, hein, ah, bah oui, oui, oui. En pensant faire un exploit à La Rochelle pour rattraper ses petits points perdus, bêtement. Ouais, on aurait pu gagner sans. Car je pense qu'aujourd'hui, comme on a joué, si on aurait fait la même avec ici contre Toulouse et Biarritz, on aurait pu gagner les matchs. Donc bref, j'espère que les deux vous aura plu. Et bravo Pierre Mignoli et à tout son staff. Voilà. comment il s'appelle, Atoub. David Atoub. Karim Ghezal. Karim Ghezal, voilà. Voilà. Je pense qu'ils font leur travail. Par contre, une chose, au niveau des touches, Karim, aujourd'hui, ça n'a pas été facile. On a pris les ballons, mais quand même assez difficilement. Il faudrait un peu revenir à ça. Mais je pense que tu vas le faire, tu es assez grand pour. Bon, voilà les amis, j'espère que vous aurez plu. On se retrouve le week-end prochain, 18h, le coup d'envoi de Loup La Rochelle. Bon, ton rêve, c'est d'aller voir le Loup au Stade de France, Daniel Brebus. Ils vont le faire cette année. Je pense. Mais attention à Clermont-Ferrand quand même. Et allez le Loup!